Labo de Léo et Léo. Bonjour à tous et bienvenue au labo de Léo et Léo. Bonjour professeur Léo. Bonjour. Alors aujourd'hui, une question de Fabien de Cerizay. Il nous demande comment stocker les eaux hivernales pour les utiliser en période estivale. Alors c'est très simple, Fabien. Ah, moi c'est Léo. Fabien. De Cerizay. Il suffit de vous munir de différents contenants, comme celui-ci. Ou celui-ci. Ou celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et de les déposer dans votre jardin. De cette façon, pendant les jours de pluie, ceux-ci se remplissent d'eau. Mais que fait-on de ces contenants, professeur? Eh bien, vous les mettez dans votre congélateur. L'été arrivant, disposez vos glaçons où bon vous semble. Ensuite, le soleil fera le reste. Comme c'est astucieux, professeur. Ah, une question Twitter. Laissez-moi deviner, Léo. Georges de Plougastel. Bravo, professeur. Il nous demande, mais que fait-on des steaks congelés? Alors, c'est très simple, Georges. Il vous suffit de les manger. Ou de les sucer. C'est scientifique. Merci, professeur Léo. Merci à vous, Léo. Eh bien, merci d'avoir suivi les labos de Léo et Léo. N'oubliez pas de vous rendre sur le Facebook du CPIE de Gâtine-Poitevine. Ainsi que sur le site www.prenonssoindelot.fr. Afin de nous donner votre avis sur l'avenir de l'eau et les milieux aquatiques. Au revoir, professeur Léo. Mais je dirais même plus. Au revoir. Sacré professeur. Ça tourne. Action. Nous vous disons à bientôt au labo de Léo et Léo. Envoyez-nous vos questions sur Facebook et nous répondrons à toutes vos problèmes. Oh. Nous vous disons à bientôt au labo de Léo et Léo. Envoyez-nous vos questions. Nous vous disons. Et nous répondrons à toutes vos... Et nous répondrons à toutes vos problématiques. J'arrive pas à le passer, c'est quoi ce bordel ça? Et nous répondrons à toutes vos problématiques. Au revoir, professeur Léo.